Ils ont vraiment fait une super rampe d'accès. Voilà, avec une trémie qui est mise sous pression. Hop. On ouvre les crochets. Et on voit la trémie là, avec la trémie principale pour le grain, pour le blé. Là, c'est la trémie avant et la trémie arrière. Donc on a la petite trémie là et à l'arrière l'engrais. Ouais, donc c'est assez astucieux d'avoir tout mis là, ça protège de l'humidité. Tout est sous pression. Les grilles. Voilà. Franchement, c'est la conception est top. Espèces que j'ai implanté au 1er août. On a vraiment des très belles conditions pour semer. On est le 6 octobre. Le couvert est très très bien développé. J'ai une belle biomasse avec des couverts qui font 1m30, 1m40. Et là, je sème avec l'Avatar, donc en 6 mètres qu'on m'a laissé en démonstration pour le week-end. L'Avatar passe très très bien, aucun bourrage. Ce qui est très surprenant dans les couverts là, il y a deux choses. Je suis en 6e année de conversion. Je pense que j'ai même passé le cap de la conversion. Mon système est en place. Je suis à 10-12 vers de terre pour 2,5 kg de terre. Les couverts s'implantent très très bien. Mon sol vit bien. Et là j'ai deux phénomènes vraiment qui sont très impressionnants. J'ai une structure superficielle qui est juste incroyable. Avec tout de suite la terre extrêmement fine, donc avec peu de travail du sol, j'ai vraiment une terre qui est top. Et l'autre point qui est vraiment marquant, c'est que je tiens l'humidité. On a eu très peu de pluviométrie là sur cette année, et là à 1 cm, tout de suite j'ai l'humidité, ce qui me permet d'implanter des blés en très bonnes conditions, voilà, et en ayant une couverture végétale. Ça veut dire que derrière, si j'ai des gros orages, je vais pas avoir de phénomène de battance. Je sais que je vais être couvert pendant là, les 15 jours, 3 semaines qui viennent. Le couvert, la particularité là, c'est que je ne l'ai pas détruit. Donc je vais le détruire en poste, justement pour maintenir au maximum l'effet du verre et cette couverture. Hey, hey, yeah. Brother,
Donc voilà, ça c'est le sol après semi. Ce qui est assez. Ce qui est vraiment spectaculaire, c'est la quantité de résidus en surface, donc offert avec le couvert. Et là, si on écarte un peu, voilà, on voit les rangs de semis, et notamment là. Donc là, on va prendre le rang. Et quand on cherche, vous voyez, on a tout de suite l'humidité, hein, 1 cm, 2 cm, on a l'humidité. Voilà, et là, on voit le grain qui est là, qui est positionné. Et l'engrais, c'est pareil, qui a la même profondeur. Hein. Vraiment, on a relevé au maximum pour le mettre en superficie. Hein. On est à 1 cm, 1 cm et demi. Oui, hop, le grain est là, l'engrais est à côté. Voilà, en bonne condition, couverture. Là, ils annoncent un bel orage normalement dimanche avec une quinzaine de millimètres. Pour l'instant, avec un peu de violence. Là, le sol est couvert, donc on est serein. Au final, les sarrasins qui, je pensais, allaient me perturber dans les couverts et qui montaient rapidement à graines, ont pris le gel. Donc là, on voit qu'ils sont en train de dépérir. On voit les feuilles là qui sont mortes. Donc voilà, donc la plante a arrêté sa croissance. Voilà, ce qui est plutôt très bien. Et là, on voit des graines hein, qui étaient presque arrivées à maturité. Et au final, elles vont pas du tout me perturber. Sorry, but the guilt that I can't say.